Tu es un bon cheval, Kage. Domaine du clan Adachi. Dame Masako devrait y être. Dame Masako, guerrier du clan Adachi, y a-t-il quelqu'un ici? Quelqu'un est entré de force. Que s'est-il passé? Un Naginata. L'arme des femmes du clan Adachi. Quelqu'un a voulu défendre sa famille. Désordre, mais aucun signe de violence. Ils essayaient de s'enfuir. Les enfants sont passés par la fenêtre. Rien de ce côté. Où est Dame Masako? Dites-moi où elle est! Qui étaient ces hommes? Ni des Mongols, ni des bandits. Je dois découvrir ce qui s'est passé. Si quelqu'un a survécu, il aura pris la fuite à cheval. Allons voir les écuries. Les vestiges d'une bataille. Les écuries sont vides. Quelqu'un a pris les chevaux. Du sang sec. Les traces d'un cheval. Quelqu'un a fui le domaine et laissé une piste. Des archers traquaient le cheval. Le cavalier était doué. Il a su déjouer les tirs.
cheval mort. Ce cheval appartenait au clan Adachi. Mort depuis longtemps. Dame Masako, c'est moi. Jin Sakai. Je croyais qu'aucun samouraï n'avait survécu à Komoda. Et mon époux. Le seigneur Adachi est mort en guerrier, en défendant notre terre. Notre terre. Que fais-tu ici ? Le Khan mongol a capturé le seigneur Shimura. Si votre clan se joint à moi, nous sauverons mon oncle et vengerons vos hommes. Le clan Adachi est mort. Massacré par nos propres hommes. Traître ! Pourquoi se retourner contre ses protecteurs ? Je compte le découvrir. Je vous accompagne. Non. Ne néglige pas tes responsabilités au profit des miennes. Je suis responsable de la famille d'un samouraï. Je sais ce que c'est d'être l'unique survivant d'un clan. Je refuse d'avoir ta mort sur la conscience. Je ne mourrai pas. Chevauche avec moi. J'ai livré combat sur votre domaine. Ils avaient l'intention de finir ce qu'ils ont commencé. La nuit où mon époux et mes fils sont partis affronter les Mongols. Les assassins nous ont assaillis. Ma sœur a fui avec les enfants. Je suis restée pour combattre notre ennemi avec les épouses de mes fils. Ils étaient bien trop nombreux. À la fin, il ne restait plus que moi. Komoda s'est terminé ainsi pour moi. Mais pour moi, ce n'était pas terminé. Je les ai enterrés ici, avec le reste de ma famille. J'ai tenté de les sauver, mais les assassins les ont rattrapés en chemin et les ont tués. Ma sœur, mes petits-enfants, même la petite Natsu. Elle venait tout juste de naître. Tout ce que je pouvais faire, c'était l'enterrer auprès de sa mère. Cela n'aurait jamais dû se produire. Ma sœur aurait dû être enterrée avec son époux, dans le nord. Mais au moins, elle est avec les siens. Chevauchons vers le temple d'or. C'est dur de traverser ça toute seule. Je ne suis pas seule. Les tueurs sont encore en vie. Aviez-vous déjà vu ces hommes ? Non. Des paysans d'une autre préfecture. Qui ont planifié et lancé une attaque contre un domaine samouraï. Ce n'étaient pas de vulgaires bandits. Quelqu'un avait l'intention d'éradiquer mon clan. Tu vas devoir y entrer sans moi. Trouve le moine du nom de Sogen et parle-lui du sort du clan Adachi. Quel est votre plan, Dame Masako ? Fais-le pour une veuve en deuil.
Quand tu auras parlé à Sogen, trouve l'armurière. Elle répare quelque chose pour moi. Je veux qu'elle te le donne. Je le ferai. Merci. Je t'attendrai de l'autre côté du temple. Seigneur Sakai, c'est un honneur. Êtes-vous le chef du temple ? Je ne suis qu'un humble serviteur, monseigneur. Je vous en prie, appelez-moi Junshin. J'ai fait de ce temple un havre pour notre peuple. Je le ferai savoir. S'ils ne peuvent venir jusqu'ici, il y a aussi des camps autour d'Ariake. J'y envoie autant de vivres que possible. Merci de m'en informer. Je recherche un de vos frères, un moine dénommé Sogen. Je crois qu'il nettoie la terrasse du temple. Je vous remercie, Junshin. Poursuivez vos efforts. Non, pitié. Êtes-vous Sogen ? C'est moi. Je suis Sakai. Un samouraï. Vivant. Je porte un message de Dame Masako. Le clan Adachi a subi une attaque. Elle est la seule survivante. Les Mongols. Des traîtres. Nos propres hommes. C'est vraiment terrible. Des individus suspects sont-ils passés par ici ? Un groupe d'hommes armés ? Je n'ai rien vu, mais... mes fonctions ne me laissent aucun répit. Dites à Dame Masako qu'elle pourra toujours trouver refuge ici. Merci de m'avoir écouté. Je vous en prie. Je dois trouver l'armurière. Seigneur Sakai ! Je suis heureux de vous voir. Gonjiro, c'est bien ça ? Vous étiez au service du seigneur Nagao. C'était un homme bon. Je suis navré qu'il nous ait quittés. Je suis flatté que vous vous souveniez d'un humble serviteur. Un bon nombre d'entre nous ici vous doivent la vie. La bataille pour Tsushima ne fait que commencer. C'est pourquoi nous voulons vous aider, monseigneur. Chacun a donné ce qu'il pouvait et... je vous en prie, veuillez accepter ceci. Je vous remercie, Gonjiro. Vous et tous ceux qui ont participé. Nous continuerons à donner ce que nous pouvons, ici et ailleurs, au gré de vos victoires. Puissent tous les Kami vous protéger. Thank you.
Savez-vous où je peux me ravitailler près d'ici? Non, monseigneur. Mais si vous les honorez, les Kami vous viendront en aide. Trouvez les Tori, suivez-les jusqu'au sanctuaire et prenez ce qui vous y est offert. On dit qu'un objet béni par les Kami peut changer le destin d'un homme. Un coup de main serait le bienvenu. Seigneur, je peux vous aider à améliorer vos lames. Le katana du clan Sakai. Quelle arme magnifique! Vous l'avez tout de suite reconnu? À mes yeux, chaque lame est unique. Aussi reconnaissable qu'une personne. Seigneur Sakai, apportez-moi les matériaux nécessaires et ce sera un honneur d'améliorer un travail aussi exquis. Plus affûté que jamais. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Je vous remercie. Ce fut un honneur de vous servir. Mon armure émoussera les armes mongoles. C'est Dame Masako qui m'envoie. Elle m'a dit que vous répariez quelque chose pour moi. L'armure, c'est une des plus belles pièces sur lesquelles il m'était donné de travailler. Je vais la chercher. Elle vous va parfaitement, monseigneur. La qualité est incomparable. Elle ne vous fera pas défaut. Si jamais quelque chose n'est pas à votre goût, je peux y apporter des changements. Il me faut simplement les bons matériaux. Merci. Ai-je la protection qu'il vous faut? Ah, il vous faut plus pour effectuer ces améliorations. Je suis fière d'aider. Permettez-moi de renforcer votre armure, monsieur. Tu as l'armure. Elle me va bien. Elle appartenait à mon aîné, Shige Sato. C'est un honneur. J'ai parlé au moine. Que t'a dit Sogen? Il vous offre refuge au sein du temple. Les meurtriers de ma famille sauront ainsi où me trouver. Nous devrions partir. Sogen serait l'instigateur du massacre? Il est venu chez moi juste avant les assassins. Ce misérable lâche était leur éclaireur. Ça ne prouve pas qu'il soit coupable. Non, mais c'est tout de même très suspect. Sogen est arrivé de Kamiagata au tout début de l'automne. Quand on a appris que les Mongols préparaient une invasion. La destruction de mon clan exigeait de la précision, de l'organisation. Et une guerre pour dissimuler la traîtrise.
Le moine, où est-il? Pitié, nous sommes affamés. Ce n'est pas la... Là, Sogen, il est pressé. Suivons ce loup jusqu'à sa tanière. Nous jeûnons depuis des jours. Allez voir notre petit. Nous pouvons descendre par ici. Vous m'avez envoyé pour lui faire peur. Je savais qu'il paniquerait et commettrait une erreur. Et le voilà qui va nous conduire à ses complices. Ne vous éloignez pas, il ne doit pas nous voir. Je me demande si on m'a vu partir. Cachez-vous. Il nous a vus ? Je ne crois pas. Il repart. Allons-y. Cachez-vous. L'ancienne auberge. Rapprochons-nous. Par ici. Masako est en vie. Elle est avec un samouraï. C'est sans doute lui qui a tué nos hommes au domaine. Idiot! Maintenant, ils savent que je suis impliqué. Vous devez les trouver! Ne parle pas si fort. Je vais à l'intérieur. Ne revenez que lorsqu'ils seront morts. Ces hommes ont massacré ma famille. Épargne le moine et débarrasse-toi des autres. Envoyez votre meilleur guerrier! Ah!
Inutile d'essayer de fuir, Sogen. Vous avez détruit le clan Adachi. Je n'étais qu'un messager. Pour le compte de qui? La connaissance n'apaise pas la souffrance. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est la souffrance. Masako. J'ai enterré toute ma famille, les uns après les autres. Des jours durant. Mais vous, je vous donnerai. En pâture au loup. Il nous le faut vivant, pour nous livrer ses maîtres. Notre monde a changé. C'est de visionnaires dont nous avons besoin aujourd'hui. Et tous les obstacles doivent être éliminés. Ce n'était que des enfants! Masako! Il n'aurait jamais parlé. Nous devons en savoir plus. Il doit y avoir des indices quelque part. Allez voir dehors. Je m'occupe de cet endroit. Rejoins-moi après. Leur récompense pour avoir tué des enfants. Leur vie ne valait-elle pas plus? Des noms. Et un symbole. Masako doit les connaître. Tu as trouvé quelque chose. C'est une liste de noms et le symbole d'un clan. J'ai trouvé le même symbole sur ces hommes. Je ne l'avais encore jamais vu. Un clan rival qui cherche à s'emparer du pouvoir. Il faut que nous les arrêtions. Je le ferai. Vous n'y arriverez pas sans aide. Lorsque mon oncle apprendra tout ça, il n'aura de cesse de voir ces traîtres payés pour leurs crimes odieux. Aidez-moi, et nous éliminerons un par un vos ennemis. Ensemble. Quand tu auras besoin d'aide pour sauver ton oncle, je serai présente. Merci, Dame Masako. Mais pour le moment, j'ai des choses à faire. C'est bien, Kage.
en remplissant un pot en terre de poudre noire mongole et en y mettant le feu, j'obtiendrai une arme à lancer.